Yo tout le monde, c'est Guy Louis. Aujourd'hui, analyse sur Trash. Attends une minute papillon, on va plutôt parler de Trash, ce super youtubeur au charme infini. Mais qui es-tu? C'est simple, je suis son plus grand fan et aujourd'hui on va voir... On va rien voir du tout. Ta gueule. Et aujourd'hui on va voir... 10 preuves dont vous ignorez sur Trash. Bon, d'accord. Les roues. Il adore les roues et ça, on le savait qu'il les adore. Lui-même, il est roux. Il bicrave. Trash est très connu pour ses fermes à bœufs et empire colonial du shit. Très franchement, vous allez me demander si j'ai goûté. Bien sûr que oui. Il a volé. Vous savez que Trash est un délinquant? Oui, oui, il en a déjà volé une sucette au supermarché. La lecture, c'est cool. Vous savez que c'est le créateur de la lecture, c'est cool? Non? Bah maintenant, vous savez. Il est gay. Change-moi le titre, là. Bah voilà. Trash est un mec gay. Enfin, il respire la joie de vivre. Trash, un membre de Trash. Depuis le début, Trash fait partie de Trash. Vous ne trouvez pas qu'il a la voix de Léo Techmaker de la chaîne Techmaker? Et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Trash, le fils de Staline. Regardez, il est communiste, il met du rouge partout. Ici, 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 vraiment partout. Trash, le frère de Punisher. En effet, Trash et Punisher se ressemblent. Or, il y a un moyen plus facile de le détecter. Le sac en papier, on t'a cramé, mec. Mais Trash serait en réalité noir. Celui qui a créé ce mot, donc Trash, ressemble à ça, j'en suis sûr. Mets un like. Rien à voir avec lui, mais si tu mets pas de like, nous aussi on va te goumer.